Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 2 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du début d'un célèbre conflit, un conflit récent, la guerre des Malouines, donc en 1982, conflit qui a opposé donc le Royaume-Uni et l'Argentine. Il faut savoir qu'en fait ce conflit a eu lieu à cause de ce qu'on appelait les îles Malouines, donc ça c'est un petit caillou de 12 000 km², 3 000 habitants évidemment, donc qui appartenait au Royaume-Uni et qui était tout près de l'Argentine, hein, évidemment, donc c'était un des restes de l'empire colonial britannique, et du coup la junte militaire de l'Argentine à l'époque en fait voulait avoir cette île, hein, ça lui permettait d'avoir une certaine influence sur les aux alentours, et comme c'était un territoire contesté, reconnu comme contesté par l'ONU, et ben l'Argentine en a profité et a décidé d'envahir cette île. Et en fait, pour les Britanniques, ça a été un véritable choc, et ça a été en fait le début d'une forte, forte réaction et d'une intervention militaire, évidemment, dirigée donc par la première ministre britannique de l'époque, hein, Margaret Thatcher, évidemment, qui était très impopulaire en ce moment. Et grâce à cette intervention, c'était une grande victoire britannique, hein, contre les pauvres Argentins, en fait, qui avaient totalement sous-estimé la réaction britannique, et ça a donné une grande légitimité à Margaret Thatcher. Elle a été surnommée la Dame de Fer à partir de ce moment-là. Aussi, ça lui a permis d'avoir une certaine image face à l'URSS, parce qu'elle était en plein conflit diplomatique. Du coup, elle pouvait pas se permettre de perdre contre la simple Argentine, parce qu'après, elle n'aurait pas pu affronter l'URSS après, hein, en termes de légitimité. Et aussi, il faut savoir que pour l'Argentine, ça a été un coup dur, parce qu'après, la junte militaire a disparu pour laisser place à une démocratie. Mais en tout cas, c'est un conflit qui a été très marqué dans la vie des Britanniques, évidemment, parce qu'on les attaquait sur leur territoire. C'était un véritable choc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre condamnation et de la fin d'un procès, la fin du procès Papon, donc en 1998. Vous connaissez sûrement Maurice Papon, donc c'est un célèbre haut fonctionnaire français, hein, en fait, qui est connu pour avoir participé à la déportation de Juifs, hein, dans les années 1940. Et il faut savoir qu'il n'a jamais été condamné pour ça. Ensuite, il a pu être préfet tranquillement, il a défoncé des Algériens dans la manif en 61. Il a même été ministre du budget pendant 3 ans sous Giscard. Et le 6 mai 81, donc on est en pleine campagne de l'entre-deux-tours pour l'élection, et en fait, on a le canard enchaîné qui titre « Quand un ministre de Giscard déportait des Juifs ». Et d'ailleurs, ça a contribué à la défaite de Giscard en 81. Et du coup, c'est le début d'une gigantesque affaire, voilà, qui est complètement énorme, qui a duré des dizaines d'années. Et au final, en fait, en 98, Papon donc, a été condamné à une peine de 10 ans, évidemment. Mais il faut savoir qu'il a été acquitté parce que il a été dit qu'il n'était pas prouvé qu'il connaissait l'extermination des Juifs au moment des faits. Et du coup, ça a fait polémique à ce moment-là. Et puis, il y a plein de gens qui disaient, d'un côté, il avait déporté des Juifs, donc il méritait de se faire condamner. Mais de l'autre, des gens disaient que c'était il y a longtemps et que, bon, en fait, c'était juste le passé, et qu'il faudrait qu'on arrête de parler de ça un moment. Donc, c'était de grands conflits. Et ça montre aussi, évidemment, le fait que, y a plein de hauts fonctionnaires français, hein, dans les années 40 qui n'ont pas été condamnés parce que, évidemment, la France avait besoin de membres comme ça, très, très, très forts comme Papon. Voilà, parce que c'était quand même un haut fonctionnaire très intelligent pour continuer à gérer le pays. Hein, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il a eu une grande carrière, ce type, voilà, malgré donc, les crimes horribles qu'il a fait, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre homme politique, la mort de Georges Pompidou. Et ouais, donc en 1974, alors vous connaissez sûrement évidemment ce fameux homme politique français qui a été Premier ministre de Gaulle et qui ensuite a été élu président de la République, évidemment, pendant plusieurs années. Et il faut savoir que c'est le seul président de la Ve République à être mort durant son mandat. Et ouais, il faut savoir que bon, en fait, depuis pas mal de temps, donc il y avait pas mal de gens qui voyaient qu'il avait pas l'air bien, évidemment. Il avait une maladie, voilà, une maladie rare. Et il faut savoir qu'en fait, il y avait pas mal de moments où on le voyait avec le visage bouffi, il avait l'air fatigué, donc plein de gens se disaient qu'il allait pas se représenter. Et en fait, voilà, donc tout le monde se disait, ouais, en fait, il avait l'air un peu malade, mais il faut savoir qu'en fait, personne ne savait qu'il était aussi malade que ça, et en fait, sa mort a beaucoup surpris du fait que, voilà, en fait, on pensait juste qu'il allait juste arrêter la politique en 76 à la fin de son mandat, mais en fait, pas du tout, il est mort avant. Et du coup, c'est Alain Poher, donc, qui est le président du Sénat, qui devient président de la République française par intérim, encore une fois, et du coup, c'est le début d'élections anticipées, hein, les élections de 74, hein, voilà. Mais du coup, voilà, c'est la mort de Georges Pompidou, qui était un homme très, très cultivé, d'ailleurs, il était fan de poésie, vraiment, si vous regardez ses interviews, c'était vraiment un homme très, très intelligent. Donc, coup dur pour lui à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. Donc on a le début de la guerre des Malouines en 1982, la condamnation de Maurice Papon en 1998 et la mort de Georges Pompidou en 1974. C'était Simbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.